Là, ce soir, c'est une maraude de ce qu'on appelle le SAMU social. Donc l'objectif, c'est d'aller voir le SDF qui est sur le trottoir et de lui apporter à la fois une assistance alimentaire immédiate et puis après, derrière, c'est de lui parler, de discuter avec lui. J'ai appelé le SAMU social et c'est le SAMU social qui va venir récupérer cette dame, voilà, qui n'a pas été vue depuis 2 ans par un médecin ou par une assistante sociale. Et quand je les ai appelés, ils ont dit « Mais ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vue !» En France, la Fondation de l'Abbé Pierre dit qu'il y a 330 000 personnes qui sont dans la rue. Et nous, rien que les maraudes sociales de l'Ordre de Malte, on traite plus de 12 000 personnes à l'année. Ramenées sur toute l'année, c'est 500 bénévoles qui alternent avec une moyenne d'âge de 34 ans et qui vont aider comme ça 12 000 personnes dans la rue. Heureusement que vous êtes là pour nous aider, pour pouvoir qu'on puisse manger. On appelle tout le monde en cette fin d'année à nous aider, à être particulièrement généreux et voilà, se dire tiens, je vais faire un petit effort supplémentaire parce qu'on est confronté comme tout le monde à la hausse des matières premières. C'est plus 22% sur quand on va faire ses courses depuis 2 ans. Et puis de l'autre côté, bah, nous, les demandes augmentent aussi un peu partout sur le territoire national. Donc oui, avec un petit don que vous pourrez faire, ça nous permettra de nourrir des gens. Nous, ce qu'on appelle, c'est un sursaut de générosité pour pouvoir faire en sorte que ces personnes puissent retrouver un peu de dignité, quoi.